Salutations, c'est Casqueul et on se retrouve déjà pour ce 8e épisode de J'ai quoi comme jeu saison 2 où je vous présente mes jeux de société dans l'ordre alphabétique. Voilà, il n'y a pas de classement, c'est vraiment dans l'ordre, ils ont été classés. Donc épisode 8, on est toujours dans la lettre L, on commence tout de suite avec l'île interdite, ensemble tenter l'aventure. C'est de 2 à 4 joueurs pour des parties à partir de 10 ans. Voilà, c'est un jeu de Matt Leacock, j'insiste là-dessus parce que Matt Leacock c'est l'auteur de Pandémie et quand on joue à l'île interdite, on s'en rencontre. Il y a des mécaniques qui reviennent, mais on va revenir là-dessus après. Déjà, on va voir. Déjà, la boîte est en métal. C'est quelque chose qui est quand même assez, assez rare pour le souligner. Est-ce que c'est bien? Personnellement, je ne suis pas fan. Enfin, j'aime bien le fait que la boîte soit en métal. Ce que j'aime moins, c'est le format. Je trouve ça chiant parfois pour la ranger dans la Kallax, mais c'est moi qui suis peut-être un maniaque. Voilà. On a déjà la possibilité de régler le niveau de difficulté en début de partie. On voit qu'on peut jouer en légendaire, en élite, en normal ou en novice, donc ça c'est bien pour commencer, c'est pas mal. C'est un carton en plus qui est plutôt épais, ça c'est chouette. On va avoir une île qui sera formée de différentes tuiles. Je ne vais pas vous faire l'île complète, hein. C'est vraiment juste pour expliquer vaguement comment ça fonctionne. Voilà, je vais en mettre 6. Et on va avoir nos explorateurs qui seront donc sur l'île. Bon, ils ne devraient pas être là parce qu'ils ont un point de départ qui leur est assigné, hein, mais c'est pas grave. Et le but de l'aventure va donc être de récupérer 4 trésors, ces 4 trésors-là, comme ça en même temps on voit la boîte qui est bien faite, c'est chouette, hein, donc les 4 qui sont là. Pour récupérer un trésor comme ça, il faut se rendre sur la case qui correspond et défausser 4 cartes qui correspondent à ce trésor. C'est un peu comme dans Pandémie quand on voulait mettre au point le vaccin. Donc déjà, ça revient. On va avoir l'île qui va commencer à couler. Petit à petit. La première fois qu'on va retourner une carte, elle va juste s'inonder. Donc l'île est toujours là, enfin cette partie de l'île est toujours là, on peut toujours voyager dessus. Par contre, il va quand même être temps de commencer à faire des actions pour essayer de l'assécher. On peut faire ça, on peut assécher une partie de l'île pour la retourner à nouveau. Parce qu'on le sait, c'est le système de Pandémie, donc au bout d'un moment, les cartes qui ont déjà été tirées vont être remélangées et replacées au-dessus du paquet, donc on sait qu'elles vont revenir. Et si une carte sort 2 fois, donc si l'île qui est déjà inondée ressort encore une fois, elle est complètement éliminée du plateau. Alors il va falloir faire attention parce que parmi ces tuiles, on va avoir par exemple l'héliport. Si on perd l'héliport, donc s'il est noyé et qu'ensuite il est éliminé, eh bien on a perdu puisqu'on ne peut plus rentrer à la maison. Si on perd l'accès à un des trésors, eh bien c'est perdu aussi. Alors chaque tuile qui permet d'avoir un trésor est en double, donc on a quand même une sécurité à ce niveau-là. On voit qu'ici on en a 2. Si on perd les 2, eh bien évidemment, et qu'on n'a pas encore le trésor, c'est perdu. Et si on perd l'accès qui permet à y aller ou qui permet d'aller à l'héliport, c'est perdu aussi. Il faut qu'on sache se barrer. Alors certains personnages comme le plongeur peuvent passer sous l'eau et tout. Mais ce ne sera pas le cas de tout le monde, donc il va falloir, il y aura des priorités. On va devoir sacrifier certaines tuiles parce qu'on ne pourra pas sauver toute l'île. Et il va vraiment falloir qu'on se concentre sur le fait de garder l'héliport et le chemin pour aller au trésor et faire ça le plus vite possible. Et c'est un jeu qui demande vraiment pas mal de communication, de coopération. Et j'aime vraiment bien ça. C'est vraiment un chouette jeu. Ça fait un moment que je n'ai pas joué parce qu'au bout d'un moment, j'ai quand même fait pas mal de parties. Et puis... on finit par se lasser, comme pour tous les jeux. Mais c'est clairement un jeu que je recommande, surtout si on aime le système Pandémie. Personnellement, comme je l'ai dit, moi je préfère même celui-ci à Pandémie. Voilà, qui est peut-être un petit peu plus accessible. Moi j'y ai joué avec mes enfants, ça passe mieux. Pandémie est peut-être un poil plus complexe, mais vraiment pas grand-chose. Je peux quand même vous montrer les cartes vite fait. Donc on va avoir le système de montée des eaux, c'est exactement la même chose que la propagation des virus dans Pandémie. On va avoir nos cartes de personnage, on va avoir l'ingénieur qui est capable de sécher une tuile, le plongeur qui peut nager même s'il n'y a plus la tuile, on va avoir le navigateur qui peut déplacer quelqu'un d'autre, donc il peut déplacer un joueur d'une ou deux tuiles adjacentes à son action. On a le pilote, bon voilà, je ne vais pas tout passer en vue, on va avoir toutes les tuiles de l'île, donc on les a vues, hein. C'est la même chose que les tuiles mais en version carte. Et on va avoir les cartes de trésor ainsi que des actions spéciales qu'on pourrait exécuter pendant la partie. A noter en plus que les trésors sont vraiment... c'est des gros trucs, hein. C'est pas des petits... c'est pas des petites figurines de rien du tout, c'est des gros trucs. C'est assez étonnant d'ailleurs, hein, parce que bon... Je suis sûr que si on avait une boîte en carton et des trésors plus petits, on aurait peut-être payé le jeu 2 fois moins cher. Mais enfin, bon, ça fait quand même plaisir, c'est très chouette, on aurait presque envie de le peindre. Voilà, voilà. Tout ça pour dire que...
L'île interdite, vraiment un très, très chouette jeu que je ne peux que recommander pour ceux qui aiment les jeux coop, bien entendu. Hein, c'est full coop, hein, il n'y a pas du tout de confrontation ici. Ensuite, on passe à un jeu qui est passé un petit peu sous le radar, mais qui revient là. Il revient. Ici, c'est Eldorado, mais moi j'ai l'ancienne édition. Alors, il y en a une nouvelle qui est sortie ou qui va sortir, j'avoue, je ne sais pas trop. Qui est illustré par Vincent Dutray. Ce n'est pas le cas de celle-ci. Hein. Moi, j'ai l'ancienne édition. Bah, ça reste le même jeu de Rainer Knizia. C'est un jeu de deck building qui est malheureusement pour lui sorti en même temps que Clank. Et peut-être qu'il a une couverture qui est moins attrayante. Et surtout, il a un dos de boîte qui donne pas envie. Hein. Franchement, le dos de boîte, ça donne pas envie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici, on le verra après, mais qu'on a un plateau modulable avec à peu près 100 000 combinaisons. J'ai pas fait 100 000 parties. C'est trop. Et on a vraiment un chouette deck building qui, bah, ça me dérange pas qu'il soit passé inaperçu du moment que moi je l'ai. On a un manuel qui n'est pas très épais parce que c'est pas très compliqué. On a des propositions de plateau. Ce qui est bien avec un plateau modulable comme ça, c'est qu'on peut en faire un grand si on a le temps, un plus petit si on a moins le temps. On sait faire des plateaux qui sont plus difficiles que d'autres. Et voilà. Donc, on n'a pas grand-chose dans la boîte. Au final, on a la tuile de départ. Ensuite, on va avoir toutes des tuiles. Alors, c'est des grandes tuiles. Hein, ce n'est pas des petits machins. Elles sont recto verso en plus. Hein, donc, tout ça, ça représente quand même beaucoup de possibilités. Je vous montre. Hein, je mets ma main dessus. Voilà, la tuile fait la taille d'une main. Il y en a qui sont un petit peu plus petites comme celle-ci. Voilà, il y en a, il y en a, il y en a. Et on a la tuile finale. Voilà, elle est là. Donc ça, c'est une toute petite tuile. Et le joueur qui arrive en premier à l'Eldorado remporte la partie. On va avoir des petites frontières qui seront positionnées ici. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir un magasin de cartes. Et le magasin de cartes, c'était assez intéressant. Évidemment qu'on a un magasin, c'est un deck building. Mais ce qui était intéressant, c'est que il va être placé sur cette espèce de plateau, qui sera peut-être dans l'autre sens, bon, peu importe, ça change rien, voilà. Malheureusement, ce sont des petites cartes, moi j'aime moins les petites cartes, mais bon, ça fait le taf. On va avoir tout un tas de petits paquets de trois cartes, alors là je les mets un petit peu à l'écart exprès, parce qu'il faut que je cherche vraiment les bons paquets. Voilà, ici on a un petit point en bas à droite de la carte pour indiquer que c'est une carte du coup du marché de départ. Chaque paquet ne contient que trois cartes, donc c'est des petits paquets. Ça veut dire que si on a une carte intéressante, eh bien peut-être qu'il faut essayer de se plonger dessus avant que les adversaires ne les échappent. Bon, je ne vais pas toutes les mettre. Et ce qui va se passer, c'est que dès qu'un joueur va terminer un paquet, quand il va prendre la dernière carte, c'est lui qui va choisir parmi les 12 paquets de cartes restants, parce qu'en réalité, il y a donc 18 paquets de cartes, mais il n'y en a que 6 qui sont accessibles au marché. Et donc, dès qu'on a terminé un paquet, il va choisir parmi donc les 12 paquets qui restent, quel paquet va rejoindre le marché. En fonction peut-être de sa stratégie à lui qui ne sera pas celle des autres. Voilà. Donc déjà ça, je trouvais que c'était super intéressant. On va devoir, donc par exemple, on voit qu'ici on a une carte avec une machette. Eh bien, quand on dépense cette carte, ça va nous permettre d'avancer sur les cases machettes. Voilà, là c'est trois machettes, ça nous permet d'avancer sur une case où il y a trois machettes. Et non pas d'avancer de trois cases sur une case à une machette. Par contre, on peut dépenser trois cases, une machette pour avancer, trois cartes, une machette pour avancer sur une case où il y en a trois. Bon, j'espère que je me fais comprendre. Pareil avec les pagaies, hein, donc ça nous permet d'avancer sur l'océan. Il va falloir acheter des tuiles de pagaies. On a des tuiles de désert qui sont un petit peu différentes, puisque là c'est de l'argent. Quand on avance là-dessus, on gagne de l'argent, je sais plus, qui sont un petit peu différents. Bon voilà, je sais plus exactement, ça fait un moment que je n'ai plus joué, mais moi j'en garde un très bon souvenir. D'ailleurs, j'aimerais bien y jouer là. Juste le fait de l'ouvrir et d'en reparer, ça me donne envie d'y jouer. Je vais essayer de programmer ça et d'y rejouer prochainement parce que ben, c'est vraiment un chouette jeu. Alors la boîte n'est pas terrible, on va pas se mentir, c'est une boîte à chaussures, mais bon, au final, qu'est-ce qu'on a arrangé? Le paquet de tuiles. On a un grand chapeau comme ça d'Indiana Jones qui représente le jeton premier joueur et nos personnages. Chaque joueur va jouer une équipe de deux personnages. Et c'est une vraie course. Donc il va falloir se tirer un petit peu dans les pattes. À chaque fois qu'on va passer au-delà d'une frontière, on va gagner un petit bonus qui va nous être utile.
Donc voilà le paquet de cartes. Alors là, elles sont pas sleevées parce que j'avais pas de petites sleeves à ce moment-là. Maintenant, j'en ai, mais je suis pas sûr que j'en ai assez de toute façon. Et on manipule les cartes puisque c'est un deck building, mais ça va encore. On les manipule pas tant que ça, donc ça pose pas de réel problème. Bon, cette fois-ci, en tout cas, je les ai pas sleevées. Et puis je gagne un petit peu de place dans la boîte. Chaque joueur reçoit aussi donc un petit plateau personnel où il peut mettre son deck, sa défausse, et on a bien sûr une aide de jeu dessus. Voilà. Donc jouer ses cartes une par une, utiliser la force des cartes pour se déplacer, ça c'est ce que je voulais vous expliquer. On a une phase d'achat où on peut jouer des cartes, on peut jouer plusieurs cartes ensemble, on additionne les symboles monnaie, mais on ne peut acheter qu'une seule carte au marché. Et si une carte n'a pas de symbole monnaie, elle vaut juste un demi. Ensuite, on a une phase de défausse, une phase de pioche. Bon, voilà, c'est du classique. Mais ça marche. Ça marche très bien. Donc, comme je l'ai dit, je vais essayer de rejouer à ça prochainement. Voilà, donc je vous montre l'intérieur de la boîte. C'est vrai que c'est pas Folution. C'est une boîte à chaussures, mais tout rentre sans aucun problème. On peut se permettre de ranger la boîte à la verticale, du coup, puisque de toute façon, la boîte est déjà en bordel. Donc, on s'en fout. Voilà, c'est un jeu à Ravensburger. Tiens, je ne l'ai pas dit. Il n'y a pas de limite d'âge, hein, donc c'est de 10 à 99 ans, de 2 à 4 joueurs pour des parties d'une heure. Et c'est de Rainer Knizia. Ensuite, on va passer à quelque chose qui est quand même nettement plus petit. C'est le gantelet de l'infini. Alors, c'est un love letter, hein, mais love letter, il arrivera plus tard, puisque love letter, c'est donc LO, et ici, on est sur du LE. Tout comme ici, ce n'est pas Eldorado. Non, j'explique mon classement par ordre alphabétique. Hein. En fait, c'est Mailudo qui le fait. C'est la course vers Eldorado. Donc, on était sur LA. Bon, voilà. Ici, c'est le. Alors, c'est un love letter. Si vous connaissez love letter, eh bien, vous connaissez déjà le principe. La différence ici, c'est que par rapport à love letter, on ne se fait pas éliminer quand on n'a plus de cartes. On se fait éliminer quand notre équipe est complètement éliminée, parce que celui-ci se joue donc en équipe. On va avoir toute une équipe qui va affronter Thanos, et cette équipe-là va jouer avec ce paquet de cartes-ci. Alors que Thanos, qui lui sera seul, il va représenter un boss, il jouera avec ce paquet de cartes-là, qui sont des cartes à peu près similaires, mais un petit peu plus puissantes. Et puis surtout, dans le paquet des cartes de Thanos, il y a les pierres d'infini. Le but de Thanos va donc être de rassembler les pierres d'infini afin de remporter la victoire. Les joueurs, eux, comme dans Love Letter, ils auront tous une carte en main et à leur tour, ils piochent une carte et ensuite ils en jouent une des deux. On va regarder ce que j'ai ici. Donc ici j'ai Ant-Man qui me dit choisissez un coéquipier et il peut regarder une carte dans la main de Thanos. Et l'autre carte, c'est octroyer un pion pouvoir à un coéquipier ou à vous-même. Alors, les pions de pouvoir, c'est ceci, ça nous permet d'augmenter la force de notre carte en cas de combat. Donc imaginons qu'il ait joué Ant-Man. Eh bien, il y a un des joueurs qui va pouvoir regarder une des cartes de la main de Thanos. Thanos, contrairement aux autres joueurs, il commence avec deux cartes en main, ce qui fait qu'à son tour, il en a trois, puisqu'il va en piocher une. Et donc, on peut regarder une carte. Il n'a pas le droit de révéler, mais au moins, il peut regarder c'est quoi la carte. Et par exemple, celle-ci, donc c'est une carte niveau 3 et qui nous dit, vous pouvez combattre un adversaire. Mais grâce à cette info-là, peut-être qu'au prochain tour, il pourra faire un combat contre cette carte. Et voilà. Donc globalement, ça reste du love letter. Personnellement, je le trouve un petit peu moins bien, mais il a quand même des avantages. Le fait de jouer coop, c'est sympa. Le fait de ne pas se faire éliminer dès qu'on a perdu notre carte, c'est sympa, parce que c'est ça dans Love Letter, hein. Imaginons qu'au tour 1, on se fasse éliminer notre carte. Eh bien, c'est terminé, mais heureusement, les manches sont très courtes, donc on revient 3 minutes plus tard, mais on se fait éliminer direct. Ici, on a des points de vie, on a une carte qui sert à compter des points de vie. Voilà, elle est ici, et on a des petits... On les voit là, on a des petites pinces avec des flèches qui viennent ici, pour indiquer en fonction du nombre de joueurs déjà. Et donc on a des points de vie. Et c'est seulement quand, plutôt que de se faire éliminer, donc quand on défausse notre carte, eh bien on va simplement repiocher une carte, mais on va faire perdre un point de vie à l'équipe. Et on perd quand toute l'équipe est éliminée. Quand il n'y a plus de points de vie, quoi. Voilà. Bon là, question rangement, il ne pose pas trop de problème. C'est une petite sacoche. Même sleevé, comme vous le voyez, ça rentre. Donc là, je vais re-ranger les cartes. Donc, je vais mettre la carte de point de vie en dessous. Ça, c'est une carte joueur. Ça aussi, ça, c'est un os.
Voilà, ça rentre. Pas la peine de forcer, ça doit rentrer. On sait même y mettre le petit sachet avec le jeton de pouvoir et le petit manuel. Voilà, en plus, c'est sympa, en vrai, j'aime bien le design. Alors, on revient à quelque chose de plus gros. Toujours dans les L, on est sur les charlatans de Belcastel, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que je vous ai déjà montré cette boîte, mais c'était dans le cadre où je vous montrais mon matériel. J'ai peut-être dû le présenter dans la première saison. Je pense que je l'avais déjà, hein, je pense. Alors, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. C'est pas pour rien que j'ai acheté quelques extensions. Donc, c'est un jeu de Wolfgang Warsch, qui a reçu le Spiel en 2018. J'ai dit, ouais, Wolfgang Warsch. Pour ce qui est de la limite d'âge, voilà. C'est du 10 ans et plus, de 2 à 4 joueurs pour des parties de 45 minutes. Alors, tout le matériel n'est pas dans la boîte. Ici, vous verrez peut-être pas grand-chose. On a quelques pions par-ci, par-là. On a un manuel. Un deuxième. Est-ce que je mélange tout avec les extensions? Vous allez très vite comprendre. On a le plateau central qui est un petit peu le plateau de scoring et qui est un rappel de ce qu'on va devoir ajouter ou faire au début de certaines manches. Alors là, on voit déjà des extensions. Ça, normalement, on ne l'a pas. Par contre, chaque joueur va recevoir un plateau comme celui-ci, qui est très beau d'ailleurs, qui est recto verso parce qu'on a deux modes de jeu. Je ne vais pas entrer dans le détail maintenant. Voilà. Enfin, tout ça est très beau. On a des cartes. Alors, ça demande un petit peu de place parce que donc chaque joueur va recevoir son plateau. Comme on le voit, c'est déjà un plateau qui est assez grand. Je mets ma main dessus, voilà, pour voir. À ça, on va peut-être venir rajouter ceci. Ça fait tout de suite encore plus grand. Et il se pourrait qu'il y ait encore d'autres trucs à côté. On va avoir un marché déjà avec des tuiles. Je vais vous montrer le matériel, mais je ne vais pas trop vous expliquer le jeu, malheureusement. C'est un jeu de stop ou encore, où en fait, on va piocher des jetons dans un sac et on va venir les mettre sur notre plateau, comme ça, à la suite, hein, ça fait une spirale. Sauf qu'on a beaucoup de jetons blancs dans le sac. Mais les jetons blancs, ils ne valent pas grand-chose. Et au contraire, si on en obtient 7 ou plus, ça met notre recette en péril. Hein, donc le chaudron explose et on va perdre des points. Enfin, on va devoir faire un choix au moment du scoring. Soit on achète de nouveaux ingrédients. C'est un petit peu comme un deck building. Hein, sauf qu'ici, c'est un bag building. On va customiser notre sac d'ingrédients. Donc soit on achète de nouveaux ingrédients, soit on marque des points de victoire, mais pas les deux. Donc l'idéal, c'est vraiment de faire en sorte d'aller loin dans le chaudron, le plus loin possible, mais sans exploser, bien entendu. Je le recommande... alors, il a le Kainer Spiel, mais je le trouve quand même très familial. Et je le recommande pour tout le monde, hein. C'est familial plus, on va dire. Franchement, il est vraiment excellent. C'est pour cette raison que... Là, je suis en train de ranger ma première boîte. Mais c'est pour cette raison que j'ai d'abord acheté ma première extension, Les Sorcières Sans Mêle, extension qui, honnêtement, je la trouve pas folle. Enfin, il y a quand même des ajouts sympas. Bon, le problème, c'est que comme j'ai mélangé un petit peu tout, on s'en rendra peut-être pas compte. Il y a de nouveaux ingrédients dans cette extension qui sont la citrouille qui vaut 6. Alors moi, j'ai même slivé mes pions, hein, j'aimais bien le jeu. Parce que j'ai remarqué qu'en mélangeant les pions blancs dans le sac qui est noir, les pions avaient tendance à noircir. Ça vient encore de l'extension suivante. On a cet ingrédient-là qui est aussi dans la sorcière, ainsi que dans l'extension suivante, qui est le chou du fou. Donc chaque ingrédient vient, bien entendu, avec son grimoire. Donc ça, c'est chouette, parce que de base, on avait déjà pas mal de grimoires. On a des grimoires pour chaque couleur. Ici, par exemple, on voit que c'est le grimoire vert, mais c'est la 6e version. Ça veut dire que des grimoires verts, j'en ai 6, parce qu'en fait, à chaque partie, on sort un grimoire de chaque couleur pour les ingrédients. Mais le fait d'en avoir 6 différents, ça permet de faire des parties différentes. Ça veut dire que l'ingrédient vert va changer sa capacité à chaque partie. Voilà, ici c'est la version 5 et on voit qu'il n'a pas le même effet. Donc plutôt que d'avoir l'effet sur une carte, on va avoir l'effet qui sera noté sur le grimoire au centre de la table. Donc on va avoir une série de grimoires. Donc il y en a le vert, le jaune, ça c'est pas un vert, hein, c'est le chou du fou. Des bleus, des rouges, des violets, orange. Jaune on l'a dit, oui, noir c'est particulier, c'est en fonction du nombre de joueurs.
Il y en a encore là-bas. Donc quand on commence à avoir toutes les extensions des grimoires, on a vraiment de quoi faire. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est lié aux sorcières. Donc voilà, on a quand même un bon paquet de grimoires. Donc ça, ça permet de renouveler vraiment les parties, faire des parties différentes. La mécanique principale des sorcières, c'était que on va recevoir trois pièces, une pièce de cuivre, une pièce d'argent, une pièce d'or, et on va pouvoir dépenser cette pièce, donc on va recevoir trois pièces, donc on ne pourra pas en dépenser plus, hein, mais à trois moments de la partie, du coup, pour activer le pouvoir des sorcières, donc par exemple ici, si je défausse une pièce de bronze, pendant ma phase d'achat, tu peux faire des achats pour le double de leur valeur. Donc c'est ultra intéressant, mais je trouvais que la mécanique des sorcières n'était pas si folle que ça. Par contre, ce qui est bien avec cette extension-là, donc les sorcières s'en mêlent, c'est qu'elle rajoute un cinquième joueur. Parce que je le rappelle, la boîte de base, c'était indiqué de 2 à 4 joueurs. Et il se trouve que chez moi, on est 5. Mais les sorcières s'en mêlent rajoutent un plateau noir avec tout le contenu pour un joueur de couleur noire, donc on a le cinquième joueur, et ça c'est chouette, en plus des nouveaux grimoires. Donc pareil, ça c'est un petit module qui vient se clipser à côté du plateau, en plus de ce qu'on a vu tout à l'heure. Il ne faut pas oublier qu'il y aura aussi un certain nombre de grimoires, hein, donc au centre de la table, donc ça va prendre de la place. Si on joue avec les sorcières, on va en plus avoir les trois chapiteaux des sorcières qui sera placé sur la table. Là aussi, on a de quoi faire du changement au niveau du chapiteau des sorcières, puisque... Voilà, des chapiteaux, encore une fois, on en a de quoi en faire quelques-uns. À chaque partie, on n'en utilisera que 3. Et enfin, la dernière boîte, toujours liée au charlatan de Belcastel, c'est les alchimistes. Celle-là, je la trouvais plus intéressante que l'extension des sorcières. Bon, la sorcière, comme j'ai dit, ce qui était bien, c'est qu'elle rajoutait le cinquième joueur. Mais ici, ça rajoutait donc un système de maladies à soigner. C'est ça qu'on a vu le contenu dans la première boîte, cette espèce d'alambic au-dessus. Donc, on va avoir... des personnages qu'on va pouvoir soigner pendant la partie. Ça nous donne des objectifs et des mécaniques un petit peu différentes, parce que sans cette extension-là, on peut vite se rendre compte que, par exemple, les jetons jaunes sont très puissants, et donc on va se concentrer sur le jaune. Cette extension-là va peut-être nous forcer à nous diriger vers d'autres couleurs qu'on n'a pas forcément besoin, juste pour pouvoir soigner le personnage. Donc on a ici, mais ça va encore prendre plus de place sur la table, puisqu'on va donc avoir ces trois personnages à soigner. On a celui qui souffre de la feuille de chou, celui qui souffre de la rengaine, celui qui souffre de la bosse de sorcière, celui qui souffre du nez de carotte, l'œil de perdrix, le poltron, le vampirisme, la tête de linotte, et voilà. Alors voilà, je vous montre un petit peu le contenu, hein, donc on le voit, moi j'ai, comme j'ai dit, j'ai mis tous mes tokens dans des protections qui servent normalement pour les pièces de monnaie. Et je trouve ça très, très sympa et très agréable à manipuler. Donc voilà, ils sont rangés par, non pas par couleur, mais par valeur, sinon c'est bête. Donc voilà, j'ai pas su vous expliquer le jeu comme ça, il faudra que je revienne dessus. Et donc on a tout un tas de sacs noirs, puisque c'est là-dedans qu'on va concevoir donc, notre, je vais pas dire deck, puisque c'est pas un deck, mais c'est le même principe, notre sac de jetons. Donc voilà, là, histoire de vous donner une idée, je vous ai fait une petite mise en place pour 2 joueurs, et on se rend compte que déjà 2 joueurs, le jeu prend quand même pas mal de place. Là, ma table fait quand même 1 mètre de large, hein, donc c'est tout juste. Hein. Si on regarde ici, je suis vraiment au bord. Après, il y a peut-être moyen de disposer autrement, je ne dis pas le contraire, mais il prend quand même de la place. Et le dernier pour aujourd'hui, on est toujours chez Schmidt, tiens, c'est encore un jeu de Wolfgangwarsch, on est toujours dans les L, c'est les tavernes de la vallée profonde, et que dire de ce jeu à part qu'il est excellent, encore une fois, Wolfgangwarsch, j'ai rien à dire, franchement, c'est un jeu où on va donc être le gérant d'une taverne, alors ça c'est une aide de jeu perso. On va avoir un plateau un petit peu de scoring, et qu'on va peut-être parfois modifier un petit peu en fonction des modules qu'on utilise, parce que là aussi... On va avoir des modules dans la boîte. Alors, j'ai pas d'extension. Il y a une extension qui est sortie, mais je ne l'ai pas. Je vous montre un petit peu le matériel. Donc, on a des dés de couleur, des cubes en bois, des petits personnages qui vont venir dans notre bar, là aussi. On voit qu'on a des boissons, des scotch, là, je sais plus. On a des petites signatures pour le livre d'orbe. Sans connaître les règles, ça ne sert à rien de connaître le matériel. On va donc chacun avoir une taverne qui ressemblera donc à ceci. Je vais la mettre plutôt dans ce sens-là, qui sera composée donc
de cette huile principale, on va avoir des tables. Bon, du coup, je vais mettre de façon à ce qu'on voit des tables. On va avoir donc des personnages qui seront là, qui vont boucher les trous. Enfin, il y aura une caisse enregistreuse. Voilà, donc au final, on va avoir une taverne qui ressemblera à peu près à ça. À noter qu'on pourrait très bien avoir aussi des clients qui vont venir au comptoir, donc ils viennent se rajouter comme ça. Donc on va avoir des cartes ici, ainsi qu'un marché qui sera là au-dessus. Et donc on va piocher. Ce qui est particulier, c'est qu'on n'a pas vraiment de main de cartes, et notre tour s'arrête une fois que les tables sont pleines. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un paquet de cartes là. Si c'est un client, on l'assoit à une table. Si c'est une table, eh bien on la rajoute au bout, et on continue à piocher. Et une fois que toutes nos tables sont pleines, notre tour est terminé. Et voilà un petit peu comment ça fonctionne. On va lancer des dés aussi. On a vu qu'on avait beaucoup de dés, donc on va lancer un pool de dés en début de partie. Ensuite, on va les drafter, donc on va garder. Normalement, ils sont d'ailleurs lancés sur un sous-box comme ça. Donc, on va lancer nos dés. On va garder celui qui nous intéresse et on va passer celui-là et on va récupérer le dé d'un autre joueur. Encore une fois, c'est pas une vidéo pour expliquer les règles, mais juste pour expliquer un petit peu le principe et montrer un petit peu le matériel. Et je donne un avis rapide et succinct, on va dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et le système de modules, c'est que là, c'est une partie sans modules. On pourrait déjà retourner ça pour ajouter un petit indice, mais je devrais peut-être mettre la serveuse de bière, voilà, dans l'autre sens, comme ça. On voit que tout se retourne, tout se retire. On a la possibilité de faire évoluer. Par exemple, on peut se débarrasser du chien et engager une serveuse. On peut augmenter la quantité de notre stockage de bière. On peut améliorer la qualité de notre livreur de bière. Et voilà. Tout est paramétrable. Et donc les modules, ce sont comme des petites extensions, mais qui vont venir se rajouter au fur et à mesure et qui viennent s'additionner. Donc le module 1, on va rajouter une petite chose. Le module 2, on va en rajouter autre chose. On va se retrouver donc avec des troubadours, des cracheurs de flammes, plein de trucs qui vont se rajouter au fur et à mesure. Comme ça, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on apprend les règles vraiment petit à petit. Et le jeu devient de plus en plus intéressant. Et ça permet là aussi encore une très très bonne rejouabilité. C'est un jeu que je trouve encore une fois excellent. Et des cartes, on en a quand même pas mal. Je vous montre un petit peu les paquets. On a celui-ci, on a celui-là. On a évidemment des paquets pour chaque joueur. Voilà, pour ceux qui aiment les cartes, eh bien, on a quand même un bon paquet de cartes. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était les tavernes de la vallée profonde de Wolfgang Warsch, du 12 ans et plus de 2 à 4 joueurs pour des parties d'une heure. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !